Hello, mes choubidous. D'abord, je vous remercie tous mes nouveaux abonnés parce que vous êtes très 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 nombreux. C'est un truc de fou. Je vous remercie pour plein de choses d'être là toujours pour moi. Et ça, c'est du bonheur. Je vous aime, je vous aime. Et je vais vous montrer mon haul La Belle Vie. Alors, c'est pas un pack quand tu gaspilles. Hein. Alors, j'ai pris des cébettes. J'en ai eu pour 1,40 €. C'était comme des petits poireaux, regardez. Voilà. Et bien ça, c'est très très bon. Alors moi, je pensais que c'était beaucoup plus fin que ça. Ben, du coup, je vais le mettre dans ma salade avec les tomates. Voilà, je vais faire une petite salade de tomates avec des cébettes. J'aime bien la sauce chien. Je sais pas si vous connaissez. C'est super bon la sauce chien. C'est guadeloupéen. Justement, ils mettent de ça, ils mettent de l'oignon rouge, ils mettent de ça, ils mettent de l'oignon rouge, ils mettent plein de petits trucs. Enfin, c'est super bon. Piment végétarien qui pique pas. 1,40 € mes petits champipis. Ben, que je vais mettre aussi avec la cébette. 3 endives. Alors, elles sont énormes. Bon, ça fait 1 kg presque, voilà. Pas tout à fait 1 kg. Voilà. 1 € et des bananes. J'aime bien dire les bananes. Voilà. Ensuite, ah bah tiens, quand on parle du loup, des bananes. Allez, je fais. Allez, je fais. Ça fait des années que je fais ça. Enfin, ça fait des mois et des mois. Allô? Oui. D'accord. Non, ok, d'accord. Pas de bananes. Ok. Allô? Oui, Houston. Oui, on a un problème. Oui, Sybille, elle voulait parler à une banane. Bah oui. Bah ouais, je sais, elle fait que ça, hein. Mais là, bah voilà, elle en a marre et du coup, bah, elle va reprendre son Allo Houston, hein. On a un problème. Alors, ensuite, oh mais j'adore. Eh ben franchement, je les adore. Hein. Ils savent pas que un paquet de ciboulette, ça, en fait, quand ils prennent le paquet, ils prennent. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est 99 centimes. Ben, ils savent pas. Et du coup, bah, je vais les congeler. Voilà, je vais les congeler. Il y en a 5. Si je leur dis, ils vont me dire, bah oui, bah, gardez-les. Je voulais faire. Voilà, et du coup, bah, je vais. Ensuite, une salade laitue rouge que j'ai payée 1,20 € 19. Faut savoir que c'est la seule laitue qui se garde, la laitue rouge. Voilà, c'est la seule laitue qui se garde bien. Et moi, j'en ai pour la semaine. Je la mets dans des petits sachets de chez Action. D'ailleurs, vous allez voir, vous aurez peut-être vu. Vous aurez peut-être vu, parce que je pense qu'on va le mettre. Regardez, ça, je mets ma ciboulette dedans. Ça, je prends 5 sacs et je me fais ma semaine avec mes petites salades que je lave et tout ça. Ensuite, des prunes rouges. 99 centimes la prune rouge. Bon, là, il y a mon mangeoir après. Voilà, 99 centimes les prunes rouges. Voilà, et j'en avais une autre là, mais elle est un peu esquintée. Voilà, 99 centimes. Hop, elles vont dans mon panier. Ensuite, des oranges. Alors là, par contre, les oranges, ils ont un gros problème parce qu'il y en avait 8. Et de 8, je suis passée à 4. Mais bon, comme il y a la ciboulette, on va rien dire. Voilà. Oranges à jus. Normalement, il y en avait 8. Ah, peut-être qu'elles sont là, attendez. Ah ben voilà, elles sont là. Voilà, elles sont là. J'en ai eu pour 2 € quelque chose comme ça. Toujours la belle vie, hein. Si vous voulez commander, vous avez 10 €. Voilà. Donc ça, c'est le matin pour boire mon petit jus. C'est une personne qui me l'a recommandé, tu te reconnaîtras. Alors, un melon, parce que c'est la fin des melons. 2,20 €. Franchement, c'est la fin du melon, donc j'en ai profité pour en prendre encore un. Ça, c'est un radis, je crois. Un radis bleu. Non, c'est une pomme. Alors, pourquoi? Parce que avec une pomme, j'ai des fruits, j'ai des brugnons qui sont là. Voilà, qui sont un peu faits, hein, et donc que je vais faire une compote avec. Et puis là, il y a une prune qui est esquintée. Je vais la mettre avec. Vous voyez? Je vais la mettre avec et je vais faire une jolie compote et je vais me régaler. Voilà, donc il faut que je cuise les brugnons. Ensuite, ah, c'est ça le navet bleu. J'ai acheté un navet bleu, c'est tout nouveau.
Ah, mais ils se foutent de moi, c'est un navet. En fait, ils savent pas. Ils sont perdus des fois. En fait, ça, c'est tout. C'est un navet. Mais moi, c'est pas un navet que je voulais. C'est un truc bleu, un radis bleu, voilà. Un radis bleu que j'ai commandé. Mais ça, c'est pas un radis bleu. Enfin, je sais pas. Peut-être. Attendez, on va regarder. Pour moi, c'est un navet, hein. Pour vous, c'est quoi? Moi, pour moi, c'est un navet. On va regarder. Eh ben non! Eh ben non, c'est un radis! C'est un radis bleu qui se mange comme ça, à la croque au sel, quoi. Voilà. Donc, moi, j'aime bien. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je mangeais ça, mais pas ça, mais les oignons blancs à la croque au sel avec du pain, du beurre et du sel. Et là, ben, ça, c'est pareil. Ça se mange comme ça, avec du pain, du beurre et du sel. Et j'ai pris les pommes de terre de Mont-Saint-Michel. Bon, alors là, c'est n'importe quoi. Hein. Voilà. J'ai une patate. Et j'ai une autre patate. Alors là, bon, je dis rien, mais j'ai pas du tout. Je pense pas que c'est des pommes de terre Mont-Saint-Michel. Je pense qu'elles étaient toutes petites. Bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris une baguette parce que, ben, tout simplement, j'adore manger du fromage. Vous allez voir, je suis très fromage. J'ai pris pour 31 octobre, ça va. J'ai pris pour le petit déjeuner le matin avec du jus d'orange, ça, du Cardélac, 2,40 €. J'ai repris ma ciboulette 1 €, même pas 2 €, elle est moins chère que à Auchan, donc je l'ai pris hein, de chez Ducros. Voilà, comme ça j'en ai. Mais bon, je sais que j'en ai plein, hein, mais je pensais pas, hein, normalement j'avais qu'une botte. Hein. J'ai repris mes chewing-gums. Alors pourquoi? Je vais vous dire, je reprends des chewing-gums tout simplement parce que je suis asthmatique. Et le soir, pour m'aider, eh bien, je prends un chewing-gum et ça me va tout à fait. J'ai repris mon délice de poivron de chez Albert Ennès, 3,45 €. Franchement, une tuerie quoi, j'en mets partout. J'en mets partout. Ensuite, j'ai pris du fromage. Quand même, mine de rien, j'ai pris du fromage Saint-Moret. J'adore, je mange ça comme ça. J'adore, j'adore. 13 décembre, voilà. J'en ai pris deux boîtes, deux paquets, des mini. J'adore ça. Je voulais prendre du Saint-Aigur, il était à 3,25 €. Et là, le Loupérac, le bleu de pur de brebis, il était à 2,40 €. Donc, j'ai pris du Loupérac, voilà, comme du Roquefort. C'est pas du Saint-Aigur, mais c'est Roquefort. J'ai repris mes petits fromages ortolans, les mini ortolans à 2,40 €. Je les adore. Je les adore, je mange ça comme ça. Alors, j'ai pris mes 28 octobre, ça va. Mes yaourts au citron, mandarine citron vert. Une tuerie. Pour mes nouveaux abonnés, si vous ne connaissez pas, je vous recommande, si vous aimez un peu l'acidulé. Bah, mandarine citron vert, c'est une tuerie de chez Mamie Nova. Ils sont excellents, excellents, excellents. Voilà, donc j'en ai repris. Et je n'ai plus trouvé Tata Hélène, Lambert. Alors, du coup, j'ai pris Isigny, Sainte-Mère, beurre d'Isigny, doux, extra fin, bio. Voilà, j'ai pris ça. Voilà mes petites courses du jour. Bah, je vais tout manger. Hein. Alors, voilà, comme je vous dis, mais j'ai une chance, moi, à chaque fois. Hein. Une botte de ciboulette, ils m'ont donné tout ça. Et une botte, c'est ça. Donc, bah, je vais les couper tout de suite. Alors, je ne vais pas les laver parce que mon fils, quand il l'a fait l'autre fois, on ne les a pas lavés. Et le fait de les mettre après au congélateur, je pense que ça. Parce qu'il faut les couper. Bah, je ne sais pas, est-ce qu'on les lave ou pas, j'en sais rien. Normalement, je lave tout, moi. C'est pas grave, quand je les utiliserai, je les laverai. Non, je dis n'importe quoi. Non, je sais que mon fils, je les mange, je suis pas malade. Par contre, j'ai un bouton ici parce que j'ai mangé des fraises. C'est dingue, hein? À chaque fois que je mange des fraises, ça vous fait ça, vous? Moi, à chaque fois que je mange des fraises, j'ai des boutons. Voilà, je vous montre comment je suis habillée. Vous vous en foutez, hein? Oh là, comme ça. Il m'emmène au bout de la nuit, les démons de minuit. Il m'emmène au bout de la vie. La 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 la. J'aime bien ces boucles d'oreilles, je les avais achetées pour le mariage. Bon, sur ce, mes chouchous, mes bibis, mes doudous, bah oui, parce que voilà,
mes abonnés, même mes nouveaux abonnés, je les ai toujours appelés les choubidous. Alors, je vais vous montrer ce que je fais d'habitude. Je fais les chouchou bidou bidou. Ah, chouchou, bibi, doudou. Alors, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, likez, partagez, commentez. Sachez que je ne suis pas, je cherche pas à faire des vues, je cherche pas, je cherche juste à vous faire plaisir. Voilà. Alors, s'il y en a qui pensent, ouais, Sybille, elle gagne bien, non, j'ai, en 8 mois, j'ai gagné 54 euros. Donc, c'est vraiment pas, je m'en fiche, je fais pas ça pour ça. Je fais ça pour vous, pour nous, pour notre bonheur. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis, I love you. Ich liebe dich. Te quiero. Ti amo. Bye bye. Ciao.